Salut tout le monde. Une vidéo pour vous montrer ce que j'ai trouvé dans le dernier vitrinier que j'ai fait. On commence tout de suite par un Nova. Nova, magazine de BD de super-héros comme de chez Marvel, qu'on pouvait trouver dans les années 80, 90, peut-être même en 2000, je ne suis pas sûr. En tout cas, Nova était pendant très très longtemps dans un petit format. Si par exemple... Là, je prends un Strange. Voilà. Le format de Nova était beaucoup plus petit. Là, il est épais parce que c'était un album relié qui comprend trois Nova qui se suivent. Il y a des albums reliés pour les comics Marvel qu'on a eu en France. Il en a eu pour pratiquement toute la publication. Celui-ci, il en manque un. Donc, il n'y en a que deux. Il n'y a que deux Nova. Dans cet album-là. Le troisième, bah, il s'est déchiré, il est parti. Donc dans Nova, ce qu'on pouvait trouver comme histoire, c'était surtout les 4 Fantastiques, Spider-Man, ensuite il y a eu pendant longtemps aussi le Surfeur d'Argent, et puis des histoires de personnages un peu en solitaire. Il n'y avait pas de groupe de super-héros là-dedans, à part les 4 Fantastiques. Donc là, par exemple, il y a Spider-Woman. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup les 4 Fantastiques, le Surfeur d'Argent, Spider-Man. Et à partir de je ne sais pas quelle année, je ne pourrais pas vous dire exactement, parce que ce n'est pas une review sur le magazine en particulier, c'est juste ça que j'ai trouvé dans le grenier. À partir d'une certaine époque, le magazine est devenu... a pris la taille du classique, de ce que Marvel, de ce qui sortait chez Lug, du coup. Lug, Semic, après, bon, ça dépend des années. Donc le format de Nova a changé. J'ai eu ça pour pas très cher. Alors, je me souviens très peu des prix, mais je crois que c'était 2 euros peut-être. Ensuite, j'ai trouvé un James Bond que je voulais revoir, un de ceux avec Pierce Brosnan, Meurt un autre jour. Je voulais le revoir, donc là j'ai trouvé une belle édition avec des bonus en DVD. Ensuite, des DVD de la série Transformers. Voilà, les DVD qu'on trouve dans tout bon vide-grenier avec les masques aussi, qui ne coûtent pas grand-chose, les maîtres de l'univers aussi, il y en a beaucoup. 1€ chacun, donc ça permet de compléter la collection, même si je ne sais pas ce que je regarde vraiment. C'est pas une bonne série, qui dire. Transformers, ça a marqué, c'est sûr, mais quand on regarde ça, c'est un peu difficile. Hein. Qu'est-ce que j'ai trouvé? En film, Gantz Révolution. Alors Gantz, évidemment, l'adaptation du manga du même nom. Alors, les Gantz, j'en ai quelques-uns. Après, j'en ai lu qu'on m'a prêté. J'ai vu un des films, mais je m'en souviens plus trop. Et je sais qu'il y a plusieurs séries différentes dans le manga. Il y a plusieurs saisons, on va dire. Et là, il est marqué, c'est le Révolution. Alors, il va falloir que, sans trop me spoiler, que j'essaie de savoir de quoi exactement ça parle. Mais je sais que j'ai vu un des films Gantz chez un copain, mais je ne sais pas si c'est celui-là. Je le saurai en regardant. Alors, j'ai pas trouvé de jeu vidéo. Il y avait un petit peu de PS3 et de Xbox 360, mais rien qui me plaisait. Ensuite, alors, dans ce que je recherche en vide-grenier, il y a des films dans ce genre-là, des DVD de dessins animés dans ce genre-là, je cherche des comics dans ce genre-là, alors, plutôt les plus vieux, tout ce qui est sorti, qui avait un autre format, tout ce qui est beaucoup plus récent en comics, ça ne m'intéresse pas trop. Ce que j'aime, c'est ce que je lisais, ce que je pouvais lire à l'époque quand j'étais plus jeune, plus petit. Donc tout ce qui est Strange, Special Strange et ce genre-là. Je recherche aussi les albums Panini. Je fais une collection d'albums Panini de dessins animés, pareil, d'il y a 20, 25 ans, même 30 ans. Pas de football, je ne suis pas dans le football. Et je collectionne aussi tout ce qui est disques de dessins animés. Et là, c'est Sport Billy. Alors, Sport Billy, ça ne parle pas à tout le monde.
C'est très 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 vieux, c'est des débuts des années 80, et moi je m'en souviens un tout petit peu, surtout du générique. Et là, c'est ce qui s'appelle un livre-disque. Livre-disque, un album de Petit Ménestrel, voilà, les disques Hadès, c'est la marque qui sortait ces livres-là avec une histoire, les dessins, le texte qui raconte l'histoire. Et le disque avec c'est pas tout le temps le disque audio du dessin animé qui correspond à cet épisode-là. Parfois, ça peut être juste une histoire racontée par quelqu'un qui n'a rien à voir avec le dessin animé. Ça dépend, ça dépend des dessins animés. Donc j'ai trouvé ça. Bah, j'ai pas dépensé grand-chose. Et là, j'étais vraiment content de trouver ça. Normalement, c'est pas le genre de choses que je recherche, tout ce qui est jeux de société et tout ça. Mais je crois que je vais commencer à m'y mettre parce que il me faut de nouvelles choses à collectionner. Parce que les disques de dessins animés, bah, j'en ai tellement que maintenant, quand j'en retrouve, c'est toujours ceux que j'ai déjà. Les jeux vidéo rétro, bah, on en trouve de moins en moins. Et quand on en trouve parfois, ils sont trop chers. Les DVD, c'est pareil, il y a trop peu de choses que je cherche, j'en ai plus qu'il n'en faut. Et les jeux de société, donc ceux que j'ai trouvés, Atmosphere, très connu de nom, voilà, quand je passais dans les rayons, je me demandais toujours ce que c'était, j'ai jamais joué à l'époque. Et là, c'est la version DVD. La première, évidemment, là, c'est la version avec la VHS. Alors, quand je l'ai vu, j'ai regardé l'état de la boîte. J'ai vu qu'elle était pas trop abîmée, voire presque pas. Et en soupesant, ça faisait beaucoup de bruit, c'était bien lourd. Donc j'ai supposé qu'il y avait assez de choses. Et comme je le voulais pour, entre guillemets, le fun, j'ai demandé le prix, c'était 1 euro. Alors je l'ai pris tout de suite. Et en regardant par la suite chez moi, le plateau de jeu est en bon état, voire même nickel. Par contre, il faut le refermer. Voilà, dans le bon sens. Le DVD, évidemment. Le crayon pour noter. Alors, c'est le pire cauchemar. Voilà, c'est une histoire de cauchemar dans Atmosphère, la notice. Les pions qui représentent les joueurs. Alors, on peut jouer jusqu'à 6. Il y a 6 pions. Et sur le plateau, pareil, il est segmenté en 6 parties. Les cartes, alors les cartes, je ne sais pas si elles y sont toutes. Il y a des dés, il y a des clés évidemment. Elles sont mignonnes, elles sont très jolies. Alors je vais. Il y en a bon paquet. Ouais. Je ne sais pas si vous les voyez comme il faut. Moi, je les trouve très sympas. Donc j'ai lu à peu près les règles. Il y a aussi une petite boîte. Voilà, avec une tête de mort et des squelettes partout. C'est très sympa. Alors j'ai lu les règles, mais j'ai pas encore fait partie. J'espère que le DVD fonctionne. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont revendu. Le DVD fonctionne plus, mais du coup, bah, le reste du jeu ne sert plus à rien. Et au pire. Je crois que ça intéresse des gens. Ça fait partie des jeux que, quand on y a joué plus jeune, qu'on y a joué plus jeune, oui. C'est des choses qu'on a envie de refaire comparé à d'autres jeux qui, bon, voilà. Ça, c'est une atmosphère, justement, assez unique. Pour 1 € en plus, je pouvais pas le prendre. Voilà. Donc, j'ai pas oublié de remettre le crayon. Alors, les retours de vide-grenier, j'avais des reviews, mais bon. Les retours de vide-grenier, il n'y en aura pas 150 000, parce que je fais pas non plus beaucoup de vide-grenier par an, même quand c'est la saison. J'en ai fait tellement avant que maintenant je préfère passer mon temps à faire autre chose. Et puis surtout parce que ce que je recherche, je sais que je vais très peu de chances que je trouve quelque chose. Mais bon,
Les jeux de société, c'est peut-être quelque chose à laquelle je vais me mettre. Je l'aurais fait comme il faut. Si vous avez joué à ce jeu, que ce soit récemment ou il y a très 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 longtemps, vous pouvez me donner votre avis. Celui-ci, le DVD, l'année c'est 2005, l'année de sortie. C'est tout. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.